Bonjour Charlie. Bonjour. Donc, premier podium en KZ2. Exact. Tu pourrais nous raconter un peu ta course ? Eh bien, donc déjà, je partais troisième. Au chrono, je fais sixième. Donc, bon, on espérait mieux. Donc, en partant troisième, je prends pas un très bon départ. Je me décale à l'extérieur vers derrière Thomas Misch, qui, lui, avait un peu raté son départ. Donc, du coup, j'ai un peu perdu de temps. Après, Charles Fiot s'est mis à mon intérieur. J'ai dû garder l'extérieur pendant tout le double droite du départ. Donc ça a été un peu tendu. Après, j'ai réussi à passer, je suis resté troisième. Et puis tout le long de la course, c'est resté comme ça. Donc il n'y a pas eu de problème. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis le début de l'année, Charlie. Oui, on a beaucoup travaillé sur le châssis. J'ai aussi beaucoup roulé. De toute manière, il n'y a pas de secret. Il faut rouler pour s'améliorer. Donc depuis le début de l'année, ça se passe bien. Je suis plutôt content et en espérant que ça continue comme ça. Mais il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Demain, ça annonce plutôt bien. Demain, on va essayer de faire comme aujourd'hui, voire mieux, si possible. Puis bon, déjà aujourd'hui, c'est un soulagement. On sait que ça marche, tout s'est bien passé. Donc maintenant, on attend demain et ça devrait aller. Très bien. Et puis, tu es super content, je suppose. Très content. Très, très content. Parce que premier podium, depuis le début de l'année, certes, on faisait de bons chronos, tout ça, mais on n'a jamais réussi à concrétiser. Aujourd'hui, ça s'est fait, donc je suis content. Et tu roules à l'international ? Voilà, ouais, j'ai assisté aux deux dernières épreuves de la WSK, à Zouera et à la Conquer. Et tu crois que ça t'aide de faire des courses à l'international pour le championnat de France ? Oui, tout à fait. Au niveau de l'expérience lors de la course, savoir se débrouiller dans la bagarre. Et voilà, là aujourd'hui, je pense que ça a porté ses fruits. Voilà. Très bien, merci Charlie. De rien, Maud, merci.